Attention, préparez-vous, je vais enfoncer une porte ouverte. John Wick est la saga occidentale qui a su le mieux intégrer les merveilles des films emblématiques du cinéma de Hong Kong à l'ancienne. Merveilles qu'on retrouvait déjà dans The Raid et The Raid 2 de Gareth Evans. Icône un jour, icône toujours pour un Keanu Reeves, revenu de la traversée du désert post-Matrix pour endosser le costume d'un personnage aussi avare de paroles que généreux avec ses munitions. Cette critique de John Wick 4 sera d'abord sans spoiler avant d'aborder dans un second temps les questions qu'on se pose potentiellement après avoir vu le film. Pour commencer, ce quatrième volet est-il le meilleur de la franchise ? Ayant revu les films précédents en préparation de cette vidéo, je peux affirmer qu'en toute subjectivité, le meilleur film reste pour moi le tout premier, car il a pour lui à la fois l'effet de surprise, mais surtout la fascinante mise en place et montée en puissance avant que la machine John Wick ne se mette véritablement en action. Ceci étant dit, en termes de qualité visuelle et de niveau des cascades, des chorégraphies, ce quatrième volet m'apparaît sans conteste comme le meilleur de la saga. Avec ses 2h49, on peut légitimement se demander si le film est trop long. La réponse à cette question dépendra de votre appétence pour les gunfights, les somptueux cadres stylisés, la place de l'étoile, les bastons au corps à corps, et j'en passe. Ce que je peux vous dire, c'est que de mon point de vue, le film ne souffre d'aucune véritable baisse de régime, et ni de ventre mou, hein, selon l'expression qui vous parlera le plus. Il faut juste savoir que dès sa première heure, et peut-être moins, il compte plus d'affrontements que l'intégralité de n'importe quel autre film d'action américain. Pour rappel, toutefois, le premier opus affichait 1h35 et faisait l'effet d'un tel coup de poing qu'il vous laissait au sol, groggy, avec l'envie rapide d'en voir davantage. Vous ressortirez certainement de ce quatrième film comme d'un très bon repas de fête, hein, en ayant un petit peu abusé de l'entrée jusqu'au dessert. Je reviens au premier film car c'est à lui qu'on trouve le plus de références dans ce John Wick 4, une envie de retour aux sources peut-être pour le réalisateur Chad Stahelski, et un retour au héros en mode chasseur, tandis que les épisodes 2 et 3 le mettaient plutôt dans le rôle de la proie. Une proie qui se défend pas mal. Rappelez-vous, dès le premier film, Winston, le directeur du Continental New York, prévenait John que s'il ne remettait ne serait-ce qu'un doigt dans ce milieu, il y serait happé entièrement. Et Winston avait parfaitement raison. Un milieu criminel si puissant qu'il devient de fait l'autorité absolue dans ce monde fictif, dans lequel ni la police ni même les agences gouvernementales ne semblent avoir leur mot à dire face à un niveau de violence cataclysmique. De ce point de vue, ce John Wick 4 pousse tous les curseurs au maximum en embrassant les exagérations et le caractère stylisé jusqu'à l'irréel de certaines scènes, sachant que je ne parle pas ici de l'impossibilité des performances du héros, mais surtout des réactions publiques à cette violence ou justement de leur absence. On retrouvait déjà l'idée de confrontation entre figures mythiques du milieu, ces assassins d'élite, dans les précédents chapitres, et notamment le troisième avec Zéro, incarné par Mark Dacascos. J'ai néanmoins envie de rappeler la présence menaçante de Kirill dès le premier volet, un Kirill incarné par Daniel Bernhardt, un personnage qui avait failli avoir le dessus sur John Wick aussi bien physiquement que tactiquement. La nouvelle légende introduite par ce chapitre 4 se nomme Kane et c'est Donnie Yen qui lui prête ses compétences et son aura bâtie au fil des décennies de distribution de tatane à volonté. 58 et 59 ans donc pour les deux principaux hommes d'action de ce film, ce qui laisse rêveur hein, quant à notre perception de ce qui est faisable à tel ou tel âge, même si c'est vrai, hein, Liam Neeson a déjà troqué sa carrière de bon acteur pour aller poser sa marque sur les films de papy qui tabasse. En termes d'exploration de la mythologie de ce monde dominé par les organisations criminelles, on nous en propose un peu plus encore sur la grande table et ses codes d'honneur, sans toutefois en dire trop au risque de briser l'aura mystique enveloppant cette présence insaisissable et tentaculaire. En résumé, aucun homme, même Baba Yaga, ne peut venir seul à bout d'une organisation qui n'est rien de moins que l'incarnation du penchant insatiable de l'être humain pour l'illégalité et la domination violente. Pour en revenir à l'essentiel du film, à savoir les affrontements sous toutes leurs formes, on assiste à une véritable démonstration de force et de style de la part du réalisateur et aussi des nombreuses personnes nécessaires à la mise en place de telles chorégraphies. C'est phénoménal du début à la fin avec des séquences incroyables que ce soit à Osaka, à Berlin ou à Paris. On peut dire que la palme des scènes les plus énormes du film revient vraiment à celle de Paris. Selon vos préférences, il s'agira soit de la place de l'étoile, soit d'une séquence
en vue de dessus, soit éventuellement des escaliers du Sacré-Cœur. Toutefois, certains préféreront peut-être un combat bien brutal contre Scott Adkins. Seul regret à ce sujet, on vient surjouer sur les clichés de l'homme gros et transpirant dont on va se moquer, même s'il cache des ressources insoupçonnées. Enfin bon, on les soupçonne quand même un petit peu, hein, les ressources, quand on sait que Scott Adkins, c'est notamment Yuri Boyka dans les films Un seul deviendra invincible. Le film introduit des seconds rôles plus jeunes et pas inintéressants, même si on peut légèrement rester sur sa fin à leur sujet. À ce propos, sachez qu'une courte scène vous attend tout à la fin après le générique, donc hein, si vous voulez tout voir, il faudra attendre la toute dernière seconde du film. Vous le savez sans doute déjà, le tatouage que John Wick porte dans le dos annonce Fortis Fortuna Adiuvat, ce qui signifie la fortune sourit aux audacieux. Un adage qui a sans doute porté chance au giga Chad Stahelski, le réalisateur, qui a clairement annoncé devoir prendre une respiration pour explorer d'autres horizons et enrichir son style avant de ne serait-ce qu'envisager de revenir à cette franchise. Vous l'aurez compris, si vous savez déjà ce que vous venez y chercher, il fait peu de doute à mes yeux que ce film devrait vous plaire car il allie générosité et virtuosité dans ces fameuses scènes de tuerie sublimée. En termes de tonalité, on se situe dans une certaine mélancolie qui vient draper son héros aussi sûrement que ses costumes noirs pare-balles, mais aussi certains des personnages qu'il croise. Le poids du destin notamment et son acceptation se font ressentir plus fortement que dans les précédents chapitres. Et maintenant, si vous avez vu le film ou que vous vous fichez des spoilers, j'en viens à la partie de la vidéo qui me permettra d'aller plus dans le détail, donc soyez prévenus à partir d'ici et j'évoquerai tout sans détour, y compris le dénouement de ce John Wick 4. On trouve diverses autoréférences dans ce volet et notamment au tout premier chapitre, comme je vous le disais. Par exemple, Kane va prendre un crayon et s'en servir comme d'une arme mortelle, ce qui correspond exactement à l'anecdote du mafieux russe Vigo Tarasov dans le premier film, qui racontait que John Wick avait tué 3 hommes dans un bar avec un crayon. On retrouve aussi des orchidées dans certaines scènes, orchidées qui rappellent celles de la chambre d'hôpital où John dira adieu à Hélène, son épouse adorée. La Mustang fait aussi son retour dans la scène de la place de l'étoile. La scène de la boîte de nuit à Berlin reprend clairement des ambiances de celle du Red Circle, du premier film toujours, et va jusqu'à reprendre certains morceaux musicaux si je ne me trompe. Dans l'affrontement entre John et Killa, on retrouve l'idée de projection depuis une balustrade et de chute qu'on avait déjà contre Kirill, toujours dans le premier volet. Il faut dire que John Wick et les chutes mortelles dont il se relève en boitillant un petit peu, c'est une longue histoire d'amour. Le retour aux sources s'exprime aussi dans le passage de l'église orthodoxe qui servait de devanture à Tarasov. Dans le premier film, John tirait sans sommation sur le prêtre, et ici la scène trouve son inverse symétrique, alors que c'est le prêtre qui va défourailler avant de parler. L'idée de chien de combat introduite dans le chapitre 3 par Abellum se retrouve ici avec le personnage du tracker. On retrouve en clin d'œil l'attachement de John au chien quand il choisit justement de sauver celui du tracker, en mettant en danger sa propre vie. On retrouve aussi une scène de vitre, comme on en avait déjà dans les chapitres 2 et 3, sachant qu'on est ici plus proche du 3, avec les parois de verre du combat contre Marc Dacascos, 0. Outre ces quelques références, sachant qu'il y en a certainement bien d'autres encore, hein, bien sûr, on a aussi une véritable inventivité dans les meilleurs affrontements du film. Personnellement, et même si cela pourrait sans doute évoluer en revoyant le film, mon top 3 pour l'instant comprend le combat contre Scott Adkins dans la boîte de nuit à Berlin, en numéro 2 la scène en vue de dessus façon jeu vidéo dans l'immeuble en chantier, et enfin sur la première marche, la démentielle scène de la place de l'étoile. J'aurais aimé moins de clownerie limite grossophobe et plus de combats effectifs contre Killa, Scott Adkins. On peut sans doute aussi y voir une inspiration à peine masquée du caïd Wilson Fisk, le personnage Marvel, mais dans une version nettement moins classe, malheureusement. Concernant la séquence en vue de dessus, le réalisateur a indiqué avoir été inspiré par le jeu vidéo Hong Kong Massacre, sachant qu'on retrouve aussi totalement l'idée d'un Hotline Miami, hein, si vous visualisez. L'idée du fusil aux munitions incendiaires alliée à cette approche jeu vidéo donne quelque chose de vraiment unique visuellement, ça en devient presque hypnotique, comme un ballet sorti des hallucinations d'un esprit enfiévré. C'est une grande réussite visuelle, sachant que de mon point de vue, l'apothéose reste
la place de l'étoile et l'incroyable travail accompli avec les voitures. Et je pense autant au drift circulaire et meurtrier de John Wick qu'au jeu des corps balancés par les chocs sur les carrosseries. Tout est filmé d'une façon qui rend l'ensemble extrêmement réaliste, avec Keanu Reeves toujours bien présent au volant. Et à vrai dire, je suis incapable de dire comment ils ont obtenu exactement une séquence aussi dingue, et je n'ose imaginer le temps de conception et de tournage que ça représente. Ce qui traverse surtout ce chapitre 4, c'est la notion d'honneur et d'amitié, malgré le business des tueurs à gages. Et ça fonctionne très bien à Osaka avec le personnage d'Hiroyuki Sanada, et ça fonctionne encore aussi avec celui de Donnie Yen, Kane. Vous l'aurez sans doute remarqué, la radio des criminels qui opère depuis la Tour Eiffel, celle qui désigne John Wick comme cible à Paris, se présente à un moment comme la radio WUXIA. Et cela correspond donc bien sûr au genre wuxia, ce genre littéraire chinois centré sur la figure du chevalier errant, un genre qui s'est aussi exprimé au cinéma bien sûr. Un genre marqué par l'honneur, la violence et souvent la tragédie, voilà qui explique et accompagne l'ambiance plus solennelle et lourde de ce chapitre et mène vers l'énigme de sa fin, sur laquelle je reviendrai juste un peu plus loin. En termes d'adversité, le film fait le choix de balayer l'histoire du grand maître d'un revers de main, excite Saïd Tagmaoui et excite le grand maître, dans une rapide séquence d'intro qui est sans doute la plus faible de tout le film. On se retrouve donc avec Bill Skarsgård dans le rôle du marquis, un sadique un peu unidimensionnel que la présence de l'acteur ne suffit pas vraiment à faire sortir du lot, d'autant qu'il ne se distingue pas vraiment non plus pour ses compétences martiales au final, contrairement à ce que le film pouvait nous laisser supposer à un moment. Un mot quand même sur Lance Reddick, qui nous a malheureusement quittés en écho assez étrange avec le destin de son personnage dans le film Charon. Charon qui est le passeur des enfers, bien sûr, dans la mythologie grecque, et qui emporte les âmes à destination. On peut d'ailleurs se demander si la mort de Charon laisserait sous-entendre que, pour le reste du film, le voyage des âmes ne serait plus vraiment possible, et donc que toute mort deviendrait en quelque sorte caduque, mais je vais y revenir. Justement, puisqu'on parle de mort, allons-y franchement pour l'ultime spoiler. Alors, quel est le véritable destin de John Wick? Est-il mort et enfin en paix à la fin de ce chapitre 4? Ce qui est certain, c'est que sa façon de se coucher sur le côté renvoie volontairement à l'introduction du tout premier film, alors qu'on jouait sur le suspense de l'éventuelle mort du personnage. La différence cette fois, outre le fait qu'il ne se relève pas, c'est que je ne vois pas ce qui pourrait attendre John Wick au-delà de ce que ces quatre chapitres ont déjà pu raconter. Reste pourtant cet échange mystérieux entre Winston et le Bowery King sur la tombe de John. Est-il au paradis ou en enfer? Winston répond que Dieu seul le sait, et le rire de Laurence Fishburne peut ouvrir la porte à une dernière entourloupe pour enfin permettre à John d'échapper au cycle sans fin de violence en feignant sa mort. Alors personnellement, ça ne fait aucun doute, je trouverais plus classe nettement de laisser le personnage bel et bien mort et enterré, sachant que la scène post-crédit semble ouvrir sur le personnage d'Akira plus qu'autre chose, tout en soulignant bien sûr que Kane n'aura finalement sans doute pas droit à la fin heureuse à laquelle il aspirait. Même si Akira est charismatique et que le tracker a du chien, serait-il suffisant pour porter un spin-off sur leur personnage? Franchement, j'en doute, et cela ressemblerait surtout à une tentative d'Hollywood de tirer sur la corde jusqu'à la rompre, mais bon, c'est un peu une habitude à Hollywood. Concernant le duel final et le choix de John de laisser Kane tirer seul, on peut clairement y voir un renoncement de John et le souhait de laisser à son ami l'espoir de retrouver sa fille, tandis que John lui-même n'aspire finalement qu'à rejoindre son épouse. L'idée que la mort du marquis suffise à effacer la dette de John et à lui rendre la liberté est un peu tirée par les cheveux, mais bon, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Avec le personnage de Kane déjà, dont les pouvoirs sont à peu près ceux de Daredevil, ce film nous entraîne dans une réalité fantasmée, à l'image de ces clubbeurs qui continuent de danser tandis que des gens s'assassinent sous leurs yeux, à un mètre à peine. Au passage, l'inspiration Daredevil ne fait que renforcer celle de Wilson Fisk pour Killa, si vous aviez encore un doute. Alors est-ce qu'il manque quelque chose à ce chapitre 4 pour devenir un grand classique? Éventuellement une motivation encore plus noble et presque héroïque pour John, qui reste mu essentiellement par la vengeance depuis le premier. Mais bon, le transformer en héros aurait sans doute trahi l'ADN du personnage. On pourrait se contenter de dire « qui vivra par le gun mourra par le gun », toutefois je remarque aussi que sur les trois blessures par balle que reçoit John dans le duel final, si je ne me trompe, deux correspondent assez nettement à celles que le docteur lui avait demandé de lui infliger
dans le chapitre 3, Parabellum, des blessures volontairement ciblées pour ne pas être mortelles. Mais heureusement, si on en croit Keanu Reeves et Chad Stahelski, il faut un bon motif pour justifier un film de plus, et le motif de ce chapitre était bel et bien la mort de John depuis le début. Si la fin reste ambiguë à ce sujet, c'est sans doute un souhait du studio qui veut se laisser une porte de sortie en cas d'idée géniale qui serait susceptible de convaincre le duo de revenir d'ici quelques années. Une chose est sûre, on reverra John Wick dans le spin-off Ballerina, centré sur le personnage d'Anna de Armas, et dont l'action se situe entre les chapitres 3 et 4. A-t-on vraiment besoin d'un John Wick Universe? Je n'en suis pas fondamentalement convaincu, mais bon, on jugera sur pièce. Alors c'est vrai, j'aurais aussi pu parler des vestes pare-balles qui sont maintenant tellement efficaces qu'on n'a même plus l'impact des balles sur le corps. Mais bon, vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment avec ce John Wick chapitre 4. Je vous le recommande, vous en aurez pour votre argent. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas une visite de Baba Yaga à domicile. Sachant que de notre côté, on se retrouve rapidement et au plus tard, mardi soir, en direct, en live sur ma chaîne Twitch, pour la suite de la campagne de jeu de rôle Terre Profane, avec un scénario et des règles de ma création. Et vous trouverez le lien vers tout ça en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut !